Yo les gars, c'est ça, Xi. Comment ça va? Quelle intro de merde, comme d'hab. Bon, aujourd'hui les gars, on se retrouve sur Modern Warfare 2. Il y a déjà un mec qui lance patate. Tiens, voilà, premier sang dans ta gueule, c'est bien fait. On se retrouve sur Warfare 2, voilà, petite session. Ça fait un petit moment. Oh, nos scopes de marque. Allez, voilà, on est chaud là, regarde. On a enchaîné deux kills, c'est bon, on peut arrêter la vidéo, je pense, là, non? Oh, pourriture! Ah, toi aussi, t'en étais une belle. Bon, et apparemment, hein, il y a toujours des lance-patates en fin 2015. Ça n'a toujours pas changé. Oula, viens là. Non, me capte pas. Allez, toujours des lance-patates fin 2015. Voilà, ça fait plaisir. Hein, c'est la folie, quoi. C'est clairement. Enfin, les mecs n'évoluent pas dans ce jeu. Hein. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Les mecs sont toujours au même point. Hein, ici, enfin, bon. J'ai l'impression que de toute façon ce jeu on pourra jamais vraiment jouer potablement dessus. Voilà, c'est fait, mange ta tête. Allez monte. Pff, allez monte abruti. Hein. Bah alors Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bâtard, t'es obligé de sortir sur un secondaire. Et voilà. Oh les putes. Oh là là. Alors je pense aussi que sur Android 2 on a les reines des putes. Hein. Franchement, niveau pipute, il y en a pas mal hein, sur ce jeu quand même, mine de rien. C'est impressionnant quoi. Mais c'est. Je sais pas. Les gens sont perchés sur ce jeu à vouloir casser les couilles. En pas d'autre mot, vraiment. C'est chaud de trouver des games à peu près potables sur ce jeu. Mais bon, là je crois que j'ai 4 barres, tout ça. Tout se passe bien, voilà. Sur ce lobby, il n'y a pas de soucis. Mais bon, quand même, j'aimerais dire, grandissez les gars qui jouent Blue et 2, qui jouent en patate. J'aimerais vraiment voir leur gueule au final, tu vois. Genre voir à quoi ils ressemblent. Regarde-le. Boum! Trickshot. On va faire un trickshot. Attends. Ouais, mais. Attends, comment il m'a tué lui? Ah non, je crois que c'était le gars qui avait sauté et qui m'avait cuté en même temps, quoi. J'allais dire, ça va, quoi, les mecs m'ont pas trop respecté. Je suis en pleine digestion, m'emmerde là. Ok. Alors ça se passait bien jusqu'à présent. Là, j'ai l'impression que ça y est, ça se dégrade petit à petit. Mais bon. Non! On va rester calme, ça arrête de s'énerver, hein. Déjà qu'on s'est énervé sur Code 4 un peu la dernière fois là. Franchement, je pensais pas rager sur ce jeu. Alors là, MW2. Tiens, ça risque d'être assez compliqué de se retenir de rager quoi, honnêtement. Pff, bah oui, toujours plus quoi. Comment il me baise lui. On va passer par là. J'ai l'impression que ça va monter. J'en suis sûr, c'est monté déjà. Non? Ah non, même pas. Mauvaise langue que je suis. Y'a personne là? On va avancer. Aïe aïe aïe. Non. Ah non, lui c'est un bâtard là. Voilà, tu m'as tué trop de fois. T'es où? Écoute, je vais le laisser tranquille. Ah non, non. Non. Voilà. Alors là, après, normalement, il y a un spawn ici. Voilà. Oh putain, il a pas pris. Eh, à Karachi, dans Karachi, franchement, je crois que j'ai rarement mis un clip feed. Ou même, je sais même pas si j'en ai mis un. Enfin, j'ai déjà dû mettre une quad feed, tu vois. Mais pas un clip vraiment sympa en termes de feed, tu vois ce que je veux dire, quoi. Genre une petite multi, un truc comme ça, quoi. C'est vrai qu'il me semble pas avoir déjà mis un truc sur Karachi. Oh la lourdeur du mec là-haut. On va le noscoper. Il est où? Non mais attends, je vais me le faire lui là. Comment on peut monter là? Oui. Oh! Comment on fait déjà? Ah bah d'accord, tout aussi simple. Merde. Oh regarde-le lui! Tiens, bim! Moi aussi je vais rester allongé. Non quand même pas. Ça me bande au bout de 2 minutes, c'est de rester campé là. Voilà, il y en a certains, ça les dérange pas, tu vois, comme la minecart là. Lui, honnêtement, il est en train de me saouler, tu vois, mais le mec, apparemment, ça le dérange pas. Il campe comme ça, tranquillement. Bon, écoute. Il y a des mecs comme ça sans aucune pression. Ouais. Bon, attends, on fait du combien là? 15-12. Putain, c'était bien parti pourtant, je suis un peu d'aigle. Il va me lancer un lance-patate, tu vas voir. Je m'en fous, j'hardscope. Hein. Voilà! J'ai plus du mal à hardscoper que.
J'ai jeté une para parce que je pense que ça va arriver. Non, même pas. Mais d'où ma para, t'as pas touché. Morphine. Cancer. Putain. On aurait dit un vieux, tu sais, qui s'énerve. Enfin, moi, je sais que par expérience, je travaille à la maison de retraite, hein, vous le savez. Enfin, peut-être pas tous, mais. Et j'ai une personne âgée dans mon établissement, en fait, qui, dès qu'elle dit le mot maman, ça fait. Je te jure, elle part dans des. Dans des tons, mon gars, et ça fait peur, franchement, tu te dis. Aïe, aïe. Ah, lui, je veux le côté. Ah, on leur fait. Voilà, une petite humiliation, voilà. Dans le plus grand des calmes. Hop. Attends, il est allongé, lui, là où je rêve. Ah non, il est en bas. Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Enfin, si, il y avait un mec quand même. Attends, parce qu'il y a un mec en haut là. Il y a pas un mec là? Et lui là. Quoi que je dis ça, mais je suis en haut, tu sais. Oh non, c'était mon kill ça, tu déconnes. Attends, là il va y en avoir un qui monte, je l'ai vu. La suite. Je me suis loupé. J'étais un peu trop là. Et imagine quand même. J'enchaîne les deux, je saute, nous scope, collate. On sait jamais. Eh mais de toute façon, sur... moi ce que... c'est ça que j'aime bien dans Call of Duty, c'est que tu peux tenter des trucs des fois, mais mec, tu peux rentrer des trucs vraiment trop stylés. Alors, lui, on l'a vu. D'accord. Voilà, je préfère les côtés, non, franchement, ça va, on va pas s'embêter avec des abrutis. Oh, je l'avais pas vu, lui. Allez. Ah, dommage. Une petite collate, là, j'aurais pas craché dessus. Alors là, par contre, j'ai pas tout compris. Eh, hey, Pep, viens là! Allez, merci! Au plaisir, hein. À la prochaine, allez, salut! Non! Oh, merci! Putain, pour une fois que mes alliés servent à quelque chose. Merde! Là, normalement, il y a le spawn. Oh putain, il y en a un juste là. Non! Mine carte, hop! Oh. Oh, t'es pas beau! Il y avait un ennemi là, vite je pars. Laisse-moi tranquille. Il y en a un quelque part. Putain, il y a un bouclier. Bim! Attends, tu crois quoi là? What? Alors 7200, 7300, 7300, allez, allez. On le fait là, on gagne. Faut pas qu'on se fasse buter. Parce qu'après on va dire que c'est de ma faute. Putain, encore un kill, ils ont gagné. Non. Mais ouais, mais c'était sûr. Ils jouent comme des salopes en même temps. Le mec a carrément rage kit. Il s'est pris un truc apparemment au fusil à pompe. Ah ben on voit pas la kill cam. Ah c'est vrai que sur MW2, quand les gars quittaient, tu pouvais pas voir la kill cam. Combien de mecs qui ont tenté des trickshots se sont fait baiser la gueule parce que le mec a rage kit. Franchement, j'imagine trop. Genre, tu rentres ton best clip ever, suicide, machin, 13546, machin, bim, no scope, wellbang, collate, s'il te plaît. Et les mecs, ils rage quittent. Là, à mon avis, tu vois, là. T'as des grosses boules là. Oh, combien de déluge! Hein? Alors, je sais pas si vous allez voir parce que j'ai pas le retour de la caméra. Mais il déluge, hein. Oh mon dieu! Bon, au passage, je suis toujours dans ma cuisine, oui. Mais, hey, il déluge, hein. Putain, ici, quand il pleut, mon gars, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ah, les Seven, les épisodes de Sevenol, pour ceux qui connaissent. Bon, là, ça va, normalement, c'est pas un épisode Sevenol. En fait, pour ceux qui connaissent pas, en fait, les épisodes Sevenol, en fait, c'est en fait, j'habite dans les Seven, en fait. Vous tapez sur Internet, franchement, c'est magnifique, c'est vraiment un truc à voir. Et ce qui est drôle, pas mal. Et en fait, ici, il pleut pas trop. Généralement, c'est, dans les Seven, ça va à peu près. Il fait quand même assez chaud, etc. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Mais le truc, c'est que quand il pleut, quand c'est la saison des pluies, ben, t'imagines même pas ce que ça tombe quoi. Et à chaque fois qu'il pleut, alerte orange. Ça, tu peux en être sûr. Bon, aujourd'hui, c'est pas alerte orange quand même, mais bon. Ça déluge pas mal. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est bien isolé comme appart. Franchement, l'appart est nickel pour ça. C'est que, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo où j'ai fait le tour de l'appart, etc. pour vous montrer. Je vous invite à aller le voir si vous avez envie de le voir. Petit placement de produit. Mais par exemple, tu vois, il y a plein de voitures qui passent devant là. J'ai juste une route où il y a beaucoup de circulation quand même. Enfin, t'as rien. Et ça, c'est le feu. Ça, franchement, c'est le feu. Hein. Parce que t'as des endroits qui sont pas isolés du tout. Il fait froid, là j'ai même pas allumé le chauffage encore perso. Et attends, et j'entends même pas les voitures, donc ça c'est vraiment cool.
Bon, j'arrête de parler de ma vie. Désolé. Je sais pas, on parle un peu, tu sais, genre, on parle de la pluie du beau temps. Oh, y'a personne. Normalement, ils sont tous là. Bon. Du coup, à surveiller ici, là, non? Attends, mais ils sont combien en face? Ils sont 6, ouais. Alors, j'ai pas trop compris, là. Ah, minecart, il est encore contre nous, lui. Ah, la belle enculée, là, il regarde. Là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, là? T'as, par contre, cette map, je préfère y jouer en domination, honnêtement. Ici, t'as le point B, là. Là-bas, t'as le point C, là-bas, t'as le point A, si je dis pas de bêtises. Alors, quand t'as le point A et C, et qu'ils ont le point B, juste eux... Oula. Eh ben, je peux te dire qu'ils réapparaissent tous à l'intérieur du bâtiment. Mais t'es pas beau, toi, putain. Comme tous les Daniels. Non, je déconne. Comme les trois quarts, non. Mais c'est vraiment la folie, quoi. T'as mis une carte là, regarde-le. Tu sais quoi, on va jouer un peu aux barrettes. Le barrette un bleu 2 est sympa. En fait, les seules barrettes qui sont potables au final, parce que c'est vrai que j'ai joué vite fait sur Quad 4 aux barrettes la dernière fois aussi pour. Mais je disais que c'était mon préféré sur Quad 4. Mais c'est vrai que celui de. Alors, attends, me dis pas que ça a campé dans les bâtiments. Mais c'est vrai que celui de bleu 2 est pas mal, quoi. Mais alors, quand tu vois celui de bleu 3, tout ça, le cancer, quoi, s'il te plaît. Non, mais celui de. Hop, on va se prendre le space 12. Regardez, on va faire un truc. Regardez. Tu cours, hop, le pompe fait un 3-6 et tu enchaînes. Ça, j'ai toujours voulu le faire, tu sais, genre d'enchaîner un gars en mettant une 3-6. Enfin, pas un gars, mais de taper un petit clip, tu sais, ça fait vraiment un truc vraiment sympa, quoi. Alors, par contre, il va falloir aller dans le bâtiment, je pense. J'y vais avec une arme, hein. Je pense que vous. Ah, se passe 12. Ah, autrement, voilà, ça aussi, c'est bien. Ah, c'est lourd, quoi. La lourdeur des gars, quoi. Toujours pareil. Ce jeu, il changera jamais niveau mentalité. Franchement. Et pourtant, c'est un bon Call of, hein. Franchement, t'enlèves toutes ces imperfections, là, par rapport à, au lance-patates, pillards, machin, les explosifs, quoi, du coup, en général. Franchement, ce jeu serait vraiment super agréable à jouer. J'adore les couleurs, j'adore tout, vraiment. Tout un ensemble. Non ! Space 12 de merde. Mais c'est dommage, quand même. Tu vois que ce... Je trouve que c'est un Call of un peu... Gâché quoi, honnêtement, mais bon. Combien de Call of sont gâchés par la communauté? Franchement, j'aimerais dire un peu tous quoi, au final. Hein. Franchement, en fait, le problème de Call of, je pense qu'honnêtement, c'est, ça a toujours été, ça restera la communauté quoi, qui est vraiment pathétique hein, sur certains points. Bon, ben d'accord, puis vole-moi le kill, je te dirai rien. Il lui lance patate la minecart, regarde, voilà, tu vois, machine de guerre pro, là, j'ai rapproché, voilà. Et il est content. Et c'est la seule façon qu'il joue. Et tu vois, j'aimerais bien. Ça a toujours été mon rêve de rencontrer un mec qui joue comme ça dans la vraie vie. Genre un collègue me dit ah, tu passes à la maison, machin. Et qui lance un petit Call of, tu vois. Et qui dit ah, vas-y, regarde, je me démerde et tout. Et qui joue comme ça. Juste pour le tuer, tu vois. Mais juste, hein. Juste comme ça pour rigoler, lui égorger la gorge, là. Et lui chier à l'intérieur et remettre sa tête en place. Ah non, mais c'est. Franchement, les gars comme ça, moi, je comprends pas. Hein. C'est scandaleux. Là, franchement, ça. Ça donne pas envie de jouer, là. D'ailleurs, j'arrive à rien toucher maintenant. 3-12. Attends, on va rectifier ça, on va mettre un clip, d'accord? Ah, c'est bon. C'est quoi, je quitte la game? Mais bandé là. Putain, j'ai... Merde, mon téléphone. Ça serait... Je vais pas le recasser quand même. Enfin, c'est vrai que du coup, je fais plus ça que t'es répondu. Mais mon téléphone est réparé maintenant. Il est réparé. Eh oui. Et ça, c'est le feu. Allez, petite invasion. Invasion, j'aime bien. Alors, je préfère qu'elle a du monde, honnêtement. C'est plus sympa. Alors, on va écouter qu'est-ce qu'il nous raconte, les personnes. Ah, un mec chelou. C'est qui le mec chelou? J'aime bien écouter les Français. Il fait une table pourrie aujourd'hui. Ah oui, il fait une table pourrie. J'en parlais tout à l'heure. Hey, tu es de la S7 ou pas? J'ai vachement couvert, une caille. Oh. Ouais, bah, quoi? Pareil, ouais, là, ça vient de se couvrir il y a une heure, là. Moi, depuis ce matin, je me suis réveillé, c'était comme ça. Ah ouais? C'est intéressant ça. Je dis ça alors que moi j'en parle en vidéo, tu sais, carrément quoi. Mais sauf que j'en parle à un moment, tu vois, eux ils ont arrêté déjà d'en parler. Ah ouais, vas-y, j'ai envie de jouer avec eux là, ils ont l'air rigolo là. J'ai envie de les entendre un peu rager, je sens que c'est des vénères du sud là. C'est quoi cette connexion de ouf? Ils ont rien à raconter. Oh le fantôme! Oh ça c'est un mec qui vient du sud! Attends, on va voter. Voter, on va voter. Bah vas-y, on fait retour. Non, quittez pas, non!
Je commençais à sympathiser, je commençais à vous apprécier. Vous étiez un peu comme des bourreaux pour moi. Et vous partez comme ça sans aucune pression. Ah là là. Par contre, trouver une partie, c'est une option, j'ai l'impression. Ah, bon, Afghan, bon, c'est pas la meilleure map, mais bon. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, Afghan, parce que je crois que la dernière fois que j'ai joué à Blue 2, si je dis pas de bêtises, hein, vraiment, mais je pense que je dis une bêtise, peut-être, c'est possible, comme les trois quarts du temps, mais... La dernière fois que j'ai joué sur Afghan, sur Blue et 2, c'est quand j'ai fait mon défi pimenté, à chaque mort, un piment. D'ailleurs, la vidéo, putain, taper des vues, hein, c'est ouf. Hein. Comme quoi, les gens aiment souffrir les autres, quoi. C'est scandaleux. Hein. Bah, du coup, là, on va faire un truc. Dès que je meurs, je me casse un os. Voilà, n'importe lequel. Hein. Je mettrai tous les os du corps humain dans un chapeau. Hop, 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 je secoue. Allez, casser le tibia, casser machin. Hein. Ah, ça s'est jamais fait, je pense, ça. Ah, je suis tombé sur le crâne. Bon, mais il faut me fracasser le crâne. Bon, j'ai un collègue qui s'appelle Thierry. Il est camionneur, il va venir m'écraser la tête. Alors là, on... Et c'est là que je me demande comment je peux avoir des abonnés. Ouais, les gens doivent se dire, mais mec, tu racontes des trucs, par moments, ça ni queue ni tête. Je sais, j'en suis conscient. Il doit y en avoir un là, non? Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors là, le spawn, peut-être qu'il va y en avoir là. C'est possible. Ah, apparemment, c'est au top. Ah, il est mort. Mais ça peut respawn là, ouais. Ou alors là. Ouais, voilà. Au niveau des... Non! Ah non, me tue pas. Au niveau des escaliers, derrière aussi, il y a un bon petit spawn. Oula, merde. J'ai pas envie de me faire baiser la gueule. Ah, derrière toi. Non. Ici, ouais, il y a un spawn terrible. En domination, quand t'as assez là. Est-ce tombé, camarade? Boum. Oh merde. Boum. Regardez ça là. Attends, on va faire un truc là. J'ai envie de tenter un petit truc. Non! Bon, j'ai joué un peu comme une salope, mais. Bon, en même temps, jouer une salope sur ce jeu, je veux dire, ça va, on va pas t'en vouloir, je pense. Ah, je l'ai pas eu. Ah, mais si ça arrive derrière et tout, ça devient un peu plus compliqué. Je pense que ça peut arriver là, on va mettre l'insert ici. Même si elle est pas du tout discrète, il respawn de là, mais. Si ça spawn là-bas, autant passer par ici. Je t'ai vu. Ah! Mais pousse-toi! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a même pas tué, il est encore pire que moi, dit. Allez, headshot! Ça vous dit un petit clip là? Fils de pute! Oh le gars, vous vous rendez compte du nombre de personnes qui jouent lance-patate, machine de guerre, danger rapproché? Vous vous rendez compte quand même? Depuis 2010 c'est comme ça. Ou 2009 il est sorti ce jeu, je sais. 2009 ou 2010. Mais c'est scandaleux. Hein. C'est vraiment scandaleux. Tu te dis qu'ils ont même pas fait une mise à jour pour rectifier ce... Voilà, mais regarde. Franchement, hein, honnêtement, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a vraiment pas de mots, quoi. Et j'en suis sûr, on dit les gamins, les... Bon, je pense aussi qu'il y a des gamins assez jeunes qui jouent comme ça, mais j'en suis sûr que c'est des gars, les vieux de la vieille, qui ont découvert leur premier Call of, des gars, un peu des darons, tout ça, et qui jouent comme des grosses salopes, j'en suis sûr, c'est ça. J'en suis sûr. Mais ça va, gros. Alors ça par contre, les gars qui jouent aux armes secondaires non-stop alors qu'ils ont un sniper, ça par contre j'ai l'impression que c'est plus des gamins quoi. Après, autant que je me trompe, autant rien du tout quoi. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, je sais pas pourquoi mais... Putain. Rien que juste en les entendant parler dans le chat du jeu etc, enfin tu reconnais vite les gens quoi. Non! Bon on va jouer un peu à l'inter là, parce que... Putain, ils ont un arrière.
Non mais c'est pas vrai. Oh, non mais tu t'en rends compte? Non non derrière non. Je vais te paralyser parce que tu m'as paralysé. Voilà. Je trouve des excuses. Mais il est où? Ah là. Tiens. M'en bats les couilles. J'ai juste ce que je voulais. Et on paraît qu'il est pour moi. Ah non. Putain mais c'est pas vrai quoi. Peu importe le lobby, peu importe l'heure, peu importe la date, peu importe l'année, peu importe ce que tu veux, t'auras toujours vraiment des lobbies de merde sur ce jeu, j'ai l'impression. Ou alors de temps en temps tu peux avoir de la chance, tu vois. Mais ah putain, ils ont un Pavlo. Regarde lui, il va pas s'y attendre. Ah merde. Ah c'est central, ah, d'accord. Ça sent la bombe nucléaire full patate ça hein. Putain, bel enfoiré quoi. Je suis sûr après ça doit marquer dans sa bio 1350 nucléaires à mon compteur. Ah, c'est ça ouais. En faisant ta grosse salope. Tiens, bouffe. Mais sérieux, je suis en plein dessus. Vas-y. Putain, je vais ramasser le fusil à pompe. Et c'est moi la killcam en prime. Bon, mais voilà, on va arrêter là parce que franchement, W2, vous voyez, encore aujourd'hui, ben, c'est toujours pareil, toujours d'actualité, toujours autant de salopes. Je pense que ça changera jamais, comme j'ai dit, mais bon. En tout cas, moi, j'ai passé quand même un bon petit moment sur W2. Ça va, honnêtement. Même si, bon, c'est quand même des gros enculés et que j'ai 2 barres. Maintenant que j'en ai 3 parce que j'ai dit que j'avais 2 barres. Enfin, bref, les gars, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous smoke tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, les gars. There they go, back in stadiums as shady spitzes flow. Nuts they go, macadamian they go, so ballistic, whoa. He can make them look like bozos, he's wondering if he should spit this slow. Fuck no.